Bon, Jérém, la dernière fois, on a vu comment installer comme il faut le moteur sur la patine, La plateforme. Voilà, la plateforme. On la refait. Ok. Bon, Jérém, la dernière fois, on a regardé comment installer comme il faut le moteur sur la plateforme avant. Et là, on va s'intéresser au branchement, l'électrique. Alors, tu m'as dit, pour résumer, que notre installation, c'était... Pas le must. Précisément, tu as dit du boulot de sagouin. Oui, un peu. Alors, je Alors, reviens. c'est sagouinophobe. Oui, aussi, ça peut se dire aussi comme C'est ça. un peu C'est pas sagouinophobe. mal, c'est pas mal. Disons que ça met pas vraiment en confiance de voir des raccords. Alors, c'est peut-être bien dessous, mais j'en doute. Le mieux, ça serait vraiment de couper, de voir un petit peu et de refaire des raccords propres pour vraiment uniformiser justement la section des câbles et puis surtout de pouvoir avoir des raccords qui tiennent la route, pouvoir faire arriver vraiment l'électricité sur cette prise-là qui, même elle, je pense, doit être, alors on pourra pas le montrer à la caméra, mais doit être un petit peu corrodée. Voilà. Donc, T'as moyen de vérifier ce qui arrive oui, à la on sortie. va le Les batteries tester. sont pleines là, donc Les ça batteries part à sont pleines. 24. On est parti de là-bas, effectivement. Donc là, simplement à l'aide d'un multimètre, hop, je vais juste vous demander de me tenir la petite, voilà, ici. Et juste là, à l'aide du multimètre, en faisant contact sur les deux, eh bien, j'ai rien. Voilà, j'ai pas grand-chose. Alors, je sais, je l'avais fait au préalable, en grattant un peu. Voilà. Là, en grattant un peu, j'arrive à trouver 11-12, mais alors, il faut gratter. Voilà. Donc, on va repartir de là et on va tout nettoyer. Là, on sait que le courant vient, donc il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que un peu de vert-de-gris, quelques montages, je pense, un peu rodéo. On va refaire un réseau qui va bien et puis je pense que ça devrait être bon. Ok, c'est Allez, parti. c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé au fond du bateau, Donc Jérém? là, je viens de trouver le raccord femelle, c'est-à-dire ce raccord-là se fixe au câble donc d'alimentation du moteur électrique et vient après se brancher sur cette fameuse prise qu'on a vue auparavant, qui est pleine de vert-de-gris. Et donc, il faut bien se douter que si la première est défaillante et qu'elle est pleine de vert-de-gris, eh bien, la seconde est guère mieux. Voilà. Donc d'abord, je vais voir déjà. T'en fais gaffe à toi. Je veux déjà juste voir déjà à quoi on a affaire là-dedans. Et ça se trouve, ça peut être bien. Hein. Franchement, si c'est un chirurgien qui faisait cette tête, je m'inquiéterais. Alors, Jérémy, qu'est-ce qu'on a découvert là? Donc, le problème est que l'électricité donc est bonne, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de vert-de-gris sur les raccords. Donc, avec Alex, on s'est occupé de faire le nécessaire justement pour tout remettre en état. Donc, là, on a remonté le réseau donc 24 volts donc jusqu'à la prise. Ça c'est ok. Maintenant, par contre, elle, la prise étant aussi remplie de vert-de-gris, on est en train de justement de faire le nécessaire pour pouvoir la nettoyer, pour que 24 volts puissent sortir correctement et venir alimenter notre moteur. Oh, miracle! 24-6. Donc voilà, le fait de gratter un peu, nettoyer, entretenir avec du nettoyant contact de temps en temps, et puis aussi justement de la tôlerie pour gratter un petit peu les connectiques, ça évite bien des problèmes. Voilà, là, affaire résolue, on est bon. Eh ben. C'est pas qui appartient à ce bateau, mais des bons gros dégueulasses, à mon avis. Et si on n'a pas cet appareil chez nous, on peut le faire avec quoi? Papier de verre? Oui, papier de verre, papier à poncer, un tout petit peu, gratter. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais juste gratter un tout petit peu, ça fait l'affaire, largement l'affaire. Et après, juste remettre un peu rétablissant contact avec un petit coup de ponçage, et ça fait largement l'affaire aussi. Mais là, vu que j'ai les outils pour, je gratte et je remets un petit peu de rétablissement en contact. De verre là, partout derrière, donc j'ai tout gratté, tout bien soufflé,
pour essayer d'enlever toute cette partie verte, parce que c'est ça en fait, c'est de la corrosion. Tu peux le tourner ? Et Alex, une carrière de dentiste, non, ça t'aurait pas... Non. Je pense que c'est assez proche finalement. Ouais, c'est très près, ouais. Sauf que la connectique, elle fait pas aïe. Ouais, c'est là, ouais. Ok, appuie sur on. Ça marche, impeccable. Alors Jérém, avant qu'on commence, parce que je vois que tu as trouvé le fusible et que déjà tu as fait la gueule en le voyant, mais c'est Mathias Lotti qui l'a installé, c'est pour ça. Non, je tiens à dire que c'est de sa faute. En fait, j'ai un petit souci, c'est que on a pris le parti de brancher notre sondeur sur la batterie de démarrage, parce que sinon, avec la différence de voltage sur le moteur électrique, enfin, c'était un peu la galère. Sauf que maintenant, on a un petit bug quand on démarre le thermique. Parfois, notre sondeur, il se coupe. Alors, ça veut venir de quoi, ça? Parce qu'on n'arrive pas à trouver la cause de la panne. Alors, très souvent, ce qui arrive, c'est que ce qu'il faut contrôler d'abord, ce sont, encore une fois, les connectiques. Effectivement, on peut avoir une tension qui est bonne, mais par contre, quand on va demander au moteur de démarrer, le moteur lui va pomper donc de l'ampérage, et donc à partir de là, la batterie va distribuer l'ampérage au moteur, et par contre va délaisser un petit peu le sondeur. D'accord. Et donc le sondeur, à partir d'un moment, quand le moteur va se lancer, s'il n'y a plus d'alimentation, il ne va plus y avoir d'alimentation, ou du moins il va avoir une grosse chute de tension, et donc le sondeur va se couper. Parce que c'est vrai que ça ne l'a pas toujours fait. Effectivement. Maintenant, le mieux, il serait bon d'essayer avec une batterie un peu plus récente, d'accord, qui tienne la route, ça serait la solution la plus simple. Okay. D'être toujours, encore une fois, d'être sûr des connectiques, d'avoir un porte-fusible aussi qui va bien. On voit souvent des gens qui mettent des porte-fusibles de 15 ou 20 ampères à l'intérieur, sachant que si vous prenez le soin de lire la doc de chez Navicom, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 3-5 ampères. Alors certes, c'est un fusible, effectivement, c'est là pour faire justement la sécurité, mais si vos connectiques sont bonnes, la première des choses à contrôler, c'est l'état de vos batteries, les connectiques batteries, et voire même des fois la batterie qui commence à être un petit peu fatiguée et qui tout simplement qui fait pas relais et qui peut pas alimenter les deux à l'instant T quand on démarre. Donc on a bon espoir qu'en remettant un petit peu tout ça d'aplomb, peut-être après on résout notre problème. Peut-être, mais... Mais sinon on change la batterie, carrément. Souvent, par expérience, souvent c'est ce genre de panne-là, de problème-là du moins, ce sont des problèmes dus à une batterie un peu vieillotte. C'est possible, ça fait un moment qu'on l'a. Voilà, donc après c'est pas toujours le cas, parce que des fois il peut y avoir des installations différentes. Oui, et puis aussi les unités EcoSource étant de plus en plus gros. Aussi, il y a certains bateaux où il y a des borniers, ce qu'on appelle, qui sont dédiés justement, où vous allez vous retrouver la lumière, vous allez retrouver une partie justement, les pompes, le vivier, tout ça, qui va être pris, tout ça. Ouais. Et sur ce bornier-là, des fois, c'est une entrée plus, une entrée moins aussi. Ouais. Moi personnellement, j'ai déjà vu le cas où le bornier posait difficulté, c'était lui qui était en cause par rapport à ça. D'accord. Donc ça peut être plein de choses. Au plus simple à essayer, la batterie, déjà dans un premier temps. Batterie, toujours pareil. État des connectiques. État des connectiques, déjà de commencer par le B à bas, et après il faut remonter le réseau, ni plus ni moins, le réseau électrique, jusqu'à temps de trouver d'où vient le problème. C'est une véritable enquête en fait. C'est ça. Donc, il faut vraiment remonter le réseau. Oh, super, et allons-y. On va aller faire.